Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il est terminé, il dit wastaghfirullah, demande Allah pardon. Bila qui n'arrive là. Oh Allah, tu ne commences cause pas qiyamulay, tahajjud. Tu ne viens avec ban ki perod de satisfaction, tu ne causes le lecture Coran, tu ne causes le namaz, tu ne causes le zakat, mais pardon qui vient faire. Pas fait cause de péché là. Parce qu'il paye na en di moun qui fait une bonne action, si li paye na en quelque chose qui appelle al-khawf, la frayeur, tension sa bonne action là, pas accepté, l'in rate un de trois piliers de bonne action. Tout ibadet que nous faisons, chers frères et sœurs, il y a trois piliers, trois colonnes. Un, c'est qui nous disait, il y a l'espoir que Allah peut accepter. Deuxième, nous besoin d'un frayer attention à Allah, pas accepter. Et troisième, nous besoin faire lier avec un l'amour. Nous pas faire lier, on dirait comme une formalité, une fois nous finissons. Ça, c'est trois piliers ibad. Tout ibad. Son namaz, son rosa, et ban pauvre, son lecture Coran, pas prendre. Ah, yo, aujourd'hui, pour pas lire Coran, mais Coran, mon lien tigit. Pas faire lier comme ça. Pas faire lier comme ça. Pas la cause, mon pas lire, aujourd'hui, mon besoin de lire. La cause mon développe un amour, mon besoin lié un tigit Coran. Pareil comme ça même, mon besoin pas gain ça. Mais mon fini fait, Allah besoin accepter. Donc, une personne ni besoin connaît qui de son bonne action, la danse n'a manquement. C'est pour ça que l'imam fait salam devant la namaz obligatoire. Première parole qui se donne dans la bouche, c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah. Pourtant, il fait qu'il fait namaz là. Mais seulement la cause nous peut reconnaître et n'a manquement là-dedans, oui non. Tout de suite, il y a istighfar qui nous dit Allahumma anta salam wa minka salam. As-salam, c'est quoi? As-salamatu min al-ruyub, de loin avec ban manquement. Ou Allah, parce qu'il existe la perfection depuis toi. Veut dire, ça n'a pas ce que je fais, il y a obligé d'un manquement là-dedans. La cause, ça, Allahumma anta salam, c'est pas oh Allah, tu aimes la paix. Ça, c'est littéral là. Ou Allah te même en paix de quoi? En paix de tout ban manquement, tout ban faiblesse, tout ban erreur. Toi, tu es loin avec ça. Donc, tu es quelqu'un de la perfection. Ça qui nous dit Allahumma anta salam. Donc, après avoir que Allah subhanahu wa ta'ala fini explique nous tout ça là, il dit wastaghfirullah, demande Allah pardon, même tu peux faire bon. Demande Allah pardon parce qu'il y a un manquement de sa bonne action là. C'est pour ça qu'il dit Inna Allah ghafurur rahim. Allah lui pardonner et qui n'a pitié. Lui pardonner veut dire lui pardonne ton bon manquement de ton bonne action et il n'a pitié, il accepte lui alors. Lui pardonner parce qu'il a nous peut causer nos bonnes actions là. Lui pardonne ton bon manquement de ton bonne action qui te fait. Quand l'infini tient tout sa bonne manquement de ton bonne action là. Pour ce pitié qui est là, ce rahma qui est là, il accepte lui.